L'armée fédérale éthiopienne accumule les victoires. Le premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la reprise de l'aéroport international de Lalibela et du site de Lalibela classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il était auparavant occupé par le TPLF. Bien avant Lalibela, le gouvernement éthiopien a repris plusieurs localités sur la route de la capitale, dont Shewarobit, située à environ 200 km d'Addis Abeba. Dimanche, c'est Chifra Dafar qui était tombée aux mains des hommes de l'armée fédérale. Fort de ses succès, le premier ministre éthiopien a promis de les reproduire sur le front ouest, dans la région d'Amara, qui était alors le bastion des rebelles du TPLF. La reprise du site de Lalibela, situé dans la région d'Amara, vient confirmer la belle progression de l'armée éthiopienne.